Waouh! Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur NantesReborn. Si vous n'êtes pas abonné, abonnez-vous, activez la cloche et ne manquez plus la sortie de nos prochaines vidéos. Vous devez absolument partager cette vidéo à tout le monde, à tout ce que vous n'aimez pas et à tout ce que même vous aimez. Parce que ce que nous allons voir ici, on ne souhaite même pas à son pire ennemi. L'argent mystique. Ah! Mes frères et sœurs, c'est quoi l'argent mystique? Si vous ne savez pas, nous allons vous dire. Vous savez déjà que pour avoir de l'argent, ce n'est pas facile. Il faut travailler dur. Et Dieu nous recommande de travailler à la sueur de nos fronts. Malheureusement, il y a des gens qui ont décidé de se livrer à la facilité. Et ils ont décidé de passer par des moyens terribles, mystiques, pour pouvoir avoir de l'argent. Et un tel argent est suivi de conséquences graves à la fin. C'est même la raison pour laquelle le jeune meurt tôt. Vous êtes jeune, si vous voulez avoir de l'argent, vous voulez réussir, ça c'est une bonne idée. Chercher à être milliardaire, tout ça, bon, c'est vos idées. Qui peut venir vous décourager d'avoir de bonnes idées? Mais personne. Mais sachez où vous mettez les pieds. Parce que ici, nous allons voir quelque chose de grave. Déjà, nous allons vous dire, si vous avez peur des démons, du diable, vous avez peur des anges, vous avez peur de ce genre de choses, regardez la vidéo suivante, s'il vous plaît. Parce que même dans cette vidéo, nous verrons des choses terribles. C'est un accident grave qui va se produire suite à un événement, des suites d'événements terribles qui sont liés à des choses mystiques que vous ne pouvez pas vous imaginer. Est-ce que vous vous rendez compte, les gens quittent leur pays pour aller dans un autre pays pour voir les occultistes juste pour faire des pratiques occultes pour de l'argent? Si vous pensez que c'est de la blague, suivez-nous. On vous a déjà averti, vous risquez de voir des choses qui ne sont pas adaptées à vous, à votre esprit. Parce que les gens qui ont peur des choses comme les démons, le sang, tout ça, si vous savez que vous avez peur de ça, s'il vous plaît, je vous en prie, regardez la vidéo suivante. Vous ne dites pas que je ne vous ai pas prévenu. Est-ce que nous sommes d'accord? Est-ce que nous sommes même d'accord? Si nous sommes d'accord, vous êtes chaud, c'est parti. Partagez cette vidéo et soyez prêts. Dans votre studio, tous ceux qui ne sont pas abonnés, abonnez-vous maintenant. En plus, c'est gratuit. Et activez la cloche. Nous avons trois autres chaînes. En cliquant sur ce bonheur, vous pouvez avoir accès à notre page d'accueil où vous verrez nos trois autres chaînes. Ça y est, Yanks Bonheur, Yanks Bonheur 3 et de Yanks TV. Abonnez-vous sur notre autre chaîne aussi pour nous soutenir. Si vous voulez faire les dons pour nous soutenir, adressez cette vidéo sur toutes les informations qu'il vous faut. Vous pouvez faire même les dons sur PayPal. Mais ce que nous allons vous montrer ici, c'est pour vous sauver la vie. Vous devez bien écouter ce que nous allons vous dire. Bien suivre ce que nous allons voir ensemble. Et puis, ne tombez plus dans les pièges bizarres comme ça. Ah, mais qu'est-ce qui ne va pas avec vous-même? Bon, suivez-nous. Regardez ça. Mon Dieu. Regardez même ça. Que voyez-vous? On voit des jeunes gens. Des jeunes gens qui ont vraiment de la thune, de l'argent, beaucoup d'argent. Personne ne sait d'où ça vient. Mais ce qu'on peut voir, c'est qu'on voit ces jeunes gens en train de chanter tout le temps. Ces jeunes gens sont des stars. Ces jeunes font des concerts. Et on va dire que ces jeunes ramassent beaucoup d'argent. Ils se font beaucoup de thunes. Ils se font beaucoup d'argent, beaucoup de sous. Et c'est ce qu'on s'est dit. Mais bizarrement, parfois, souvent, on voit des trucs bizarres comme des accusations sur lesquelles ces jeunes gens sont liés à des choses extra-professionnelles. Vous voyez, on dit que c'était même au rang des trucs de drogue, tous ces genres de choses pour avoir de l'argent. Ah! Comment est-ce que tu peux travailler, faire organiser des procès et puis entrer de la drogue en dessous? Si c'est vrai ce que les gens racontent, mes frères et sœurs, c'est grave. Vous voyez ce que l'amour de l'argent peut pousser les gens à faire. Quand tu aimes trop l'argent, trop l'argent, et que l'argent devient ton Dieu, ce démon ou encore ce mauvais esprit-là entre en toi et ne veut plus sortir. C'est ce qui se matérialise par l'amour de l'argent que tu as. Même si on te demande de tuer quelqu'un pour de l'argent, tu seras prêt à le faire. Même si on te demande de tuer même ta mère, tu seras même prêt à le faire. Ça là, c'est un démon qui te suit.
Et c'est la malédiction qui t'attire vers toi. L'agent mystique est ici. Nous allons maintenant voir un truc. C'est là même que les choses vont commencer. Soyez prêts. Soyez même chaud. Nous allons aller tout doucement, petit à petit, comme au village. C'est pas comme au village, mais nous irons petit à petit. Nous allons y aller tout doucement et soyez prêts. Il y a des choses que je ne veux pas que vous voyez, hein, donc je vais cacher ça. Parce que ça, là, c'est pas pour les enfants. Est-ce que vous êtes prêts? Des gens pour devenir riches qui quittent leur pays pour aller dans un autre endroit pour voir des hommes occultes. Et là-bas, qu'est-ce qu'ils font? Regardez ça. Regardez bien ça. Derrière ma main, surtout des gars, des jeunes gens qui vont. Regardez, ils vont faire quoi? Lisez bien juste ce qui est en haut. Qu'est-ce qu'on dit? On nous dit, pour devenir riche, des jeunes Ivoiriens dorment nus dans des cercueils au Ghana. Mon Dieu. Et juste en bas, il y a quelque chose que nous allons lire ensemble. Nous allons faire passer la photo parce que la photo est vraiment bizarre. Les gens sont en train de se mettre nus pour aller dormir dans un cercueil. Ah! Est-ce que tu es mort? Toi, tu es un gars vivant et tu vas dormir dans un cercueil. Qu'est-ce qu'il ne va pas? Qu'est-ce qu'il y a? C'est comme ça que les gens vendent leurs âmes au diable. Juste comme ça. Pour la thune, pour de l'argent. Sans savoir que ça a même des limites. Bon, regardez même ici. On nous dit, une photo qui circule sur Internet montre des jeunes pratiquant un rituel de richesse. Ce temple de ritualistes serait situé au Ghana et recevrait chaque jour, selon nos sources, des Ghanéens Sakawa et des jeunes Ivoiriens brouteurs en quête de richesses faciles. Le rituel consiste à dormir nu dans des cercueils après avoir auparavant accompli plusieurs autres sacrifices. Ce jeune n'hésite pas à offrir des parents proches comme sacrifice leur virilité ou des parties de leur corps. Vous avez entendu ça? Pour devenir riche, ça, ils sont même prêts à offrir leurs parents et ils sont même prêts à ne plus même avoir d'enfants. C'est-à-dire qu'ils ont le sexe qui est là, mais ça ne fonctionne plus, quoi. Hé, hey, ma soeur, est-ce que toi, tu vas apprécier ça? Bon, tu vas voir l'argent. Si toi, si quelqu'un veut te voir et te dit, tu sais, moi, j'ai de l'argent, tu restes avec moi, mais sache que j'ai des problèmes comme ça parce que j'ai fait un pacte avec le diable. Qu'est-ce que tu vas dire? Bon, regardez même ça, ce qui est en bas. On nous dit, tout cela pour une richesse éphémère. Regardez ici. Tout cela pour une richesse éphémère. On a tous en mémoire ce violent accident de jeune brouteur au carrefour Akwaba de Port-Boué. Qu'est-ce quoi cet accident en question? De quoi s'agit-il? De quoi s'agit-il? C'est là maintenant que vous allez voir des choses qui risquent de vous choquer. C'est parti. Non, on est courant. Si tu sais que tu es un gars, tu es faible d'esprit, tu as peur de tout pareil, regarde la vidéo suivante. Ma soeur, c'est pas forcé. Tu peux regarder la vidéo suivante, c'est pour ton bien. Si tu sais que tu as un problème, tu sais que tu as, si tu regardes ça, tu as pas bien dormi la nuit, regarde la vidéo suivante. Ça aura l'air simple au départ, ça aura l'air d'être, ça sera comme un jeu. Mais c'est de là que tout va commencer. Regardez ça. On voit des gens qui viennent avec les véhicules tranquillement. Et voilà, ce sont des jeunes gens. Ils arrivent avec le véhicule. Et comme vous le voyez, ils font de ces signes avec les mains, on ne comprend même pas. Et la musique commence. La musique commence. Tout ça, ils ont de l'argent. Ils se filment pour tout ça, pour montrer à leurs amis comment ils sont devenus riches et qu'ils ne sont pas au même niveau que nous, quoi. Vous voyez? Hey! Vraiment, à cause de ces genres de choses-là, même vraiment, on a du mal même à sympa quoi. J'ai du mal à vous expliquer parce que ce qu'il y a vu par la suite, vraiment, ça vous étonne. Donc, ils sortent l'un après l'autre du véhicule et ils se mettent tous à danser. Voilà, regardez. Voilà, on descend la culotte, on descend tout ce que vous connaissez. Parce que vous savez, c'est la jeunesse. Les gens disent, oh, les jeunes profitent de la vie. Après ça, il n'y a plus rien. Et les jeunes profitent de la vie, regardez.
ils dansent avec la boisson, l'alcool. Oh, Dieu interdit cela. Quand Dieu interdit cela, les gens disent, oh Seigneur, tu nous fatigues. Toi, c'est toi toujours, tu ne veux pas qu'on s'amuse. Nous sommes jeunes, laisse-nous nous amuser, Seigneur. Pourquoi tu nous fatigues? Vous ne savez pas que Dieu vous donne de bons conseils. Et regardez, comme vous le voyez, ils exposent de l'argent, ce qu'ils ont de peu précieux. Oh, toutes ces choses sont éphémères. Regardez, même si vous faites ça, ceux qui vous applaudissent, qui vous aiment dans ce que vous êtes en train de faire, après, ce seront les mêmes qui vont venir vous-même vous insulter. Donc, c'est vraiment inutile de faire des trucs pareils. Regardez, voilà, ça c'est la jeunesse. Ça. Vous savez, les gens s'amusent. On dit quoi? Oh, c'est le show, nous sommes jeunes, faisons ce qu'on a envie de faire. Oh. Que Dieu ait pitié de nous. Et ça, malgré nos avertissements, il y a certaines personnes qui pensent que oh, c'est juste de la balle et qu'elles sont plus intelligentes que peut-être ces jeunes gens et qu'elles feraient mieux qu'elles. Que ces gens, que ces personnes. Voilà, regardez. Et il y a la musique, comme vous le savez. La musique, tout ça, le son. Et la jeunesse. Et quelques temps plus tard, un accident s'est produit à un carrefour là. Regardez, ils sont même tous couchés. Vous voyez, nous éloignons la caméra parce que les images que vous voyez, ce sont des images trop terribles. J'aimerais même pas que vous voyez ça. Regardez, ils sont même couchés ici. Il y a quelques heures, ils dansaient, non? Regardez, il y a juste quelques heures, ils dansaient. Ne reconnaissez-vous pas cet homme même qui avait la culotte blanche qui la nouvelle la culotte comme ça là? Hey, Seigneur! Il est là ici sans vie et tous ceux qui se trouvaient dans le véhicule sont même couchés là comme ça. Ah! Est-ce que c'est de la blague? Regardez. Tu regardes maintenant les cuisses, tu regardes maintenant ces mini, tu te dis, hey, comment une jolie femme comme ça peut être couchée? Regardez, ils ont eu un accident avec un camion poids lourd. Et toutes les personnes, tous ceux qui sont là, peuvent regarder la scène comme nous. Et regarder ce qui se passe. Un conseil, mes frères et sœurs, allez à l'église. C'est pour votre bien. C'est pour votre bien, on dit ça. Allez à l'église. Cherchez Jésus. Faites attention aujourd'hui. Là, maintenant, dis Seigneur Jésus qui vient me visiter. Je vais te suivre. Je vais abandonner mes mauvaises voies. Pardonne-moi. Regardez. Ces gens ont eu un accident avec les véhicules de valeur. Regardez. Et les gens viennent les secourir. Et ils vont maintenant essayer de faire sortir du véhicule ceux qui sont coincés, restés coincés dans le véhicule. Et c'est une jeune fille. Regardez comment elle essaie de la tirer. Ah, mon Dieu, ma soeur. Eh, hey, ma soeur que j'aime bien, vous n'imaginez pas ce que ses frères sont en train de dire. Ils sont en train de dire, j'ai dit à ma soeur, elle a qu'à rester tranquille. Toujours elle est là, elle est en train de sortir avec le bouton, le jeune bouton, ne sait pas regarder dans quoi elle est entrée. Eh, hey, si elle m'avait écouté, oh, si elle m'avait écouté, regardez comme ils sont en train de la tirer du véhicule. Oh, Jésus. Elle est en train de crier de douleur, ce ton de douleur. Va-t-elle vivre? Elle est morte, la bouche ouverte et les yeux bien ouverts. Elle est en train de se crier. On l'a fait sortir du véhicule. De jolies filles comme ça, en face de quelqu'un. Juste là, comme ça. Regardez. Oh, quelle image terrible. Nous n'avons même pas envie de rapprocher la caméra. Il faut que ça s'éloigne même pour que vous ne voyez pas trop bien. Malgré ça, vous voyez quand même que ce n'est pas de la blague. Vous êtes jeune. Cherchez Jésus-Christ. Si vous dites, vous avez le temps de profiter de la vie, toutes ces choses, la mort est de vous rencontrer. Les jeunes gens vont dormir dans les cercueils pour avoir de l'argent. Et regardez, c'est comme ça peut tourner. Ah, nous sommes en train de travailler dur ici pour avoir de l'argent. Vous êtes en train de faire des trucs bizarres pour avoir de l'argent rapidement. Parfois, vous vous moquez même de nous, vous dites, oh, nous on a de l'argent plus que vous. Nous on a de l'argent plus que vous. Et vous vont te dire, est-ce que toi tu as une voiture? Est-ce que toi tu as des copines? Tu as des copines? Eux, ils sont des copines de classe. Des copines de classe en haut. Mais regardez. Et les gens sont regardez ça. Les gens sont dans les problèmes. Regardez même ça. Regardez même ce qui se passe. Regardez. Est-ce que c'est ce que vous souhaitez pour votre parent? Regardez. Les gens sont là. Regardez le véhicule. Le véhicule est ici. Et les gens sont couchés comme ça. La frère et soeur, vous pouvez penser que c'est bizarre.
effectivement, c'est étrange. Et les gens sont là. Les gens cherchent à rentrer en contact avec leurs parents, mais ils ne peuvent pas. Ils souhaitent se poser la question de savoir, mais qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui s'est passé où le monde commence à venir? Regardez, la soeur en mini. Quand elle demande de ne pas porter les vêtements sexy, les gens disent non, laisse-nous faire les choses qu'on veut. Mais une fois que tu meurs avec des vêtements sexy, ton âme aussi est habillée en sexy. Les démons te voient comme ça et te disent, tu as quelque chose sur toi qui les appartient. Et tu ne peux pas entrer au ciel avec. Des jeunes garçons qui pourraient vivre même plus de 100 ans, qui sont en train de les bailler noirs. Aujourd'hui, regardez ce que ça donne. Ce sont des images terribles. Terribles. Et regardez même ça. Les poupées même sont venues. Les poupées sont même venues. Regardez, les poupées sont venues. Vous allez voir, les pompiers, ils sont même venus et ils vont venir faire le travail. Sauver ceux qui peuvent sauver. Sauver des âmes qui peuvent sauver. Et regardez, les gens espèrent qu'une personne soit au moins en vie pour nous raconter ce qui s'est passé. Regardez. Mes frères et sœurs, c'est ça le monde dans lequel nous sommes. Vous voyez, c'est ça. Partagez cette vidéo. Regardez même le gros camion avec lequel ils ont eu même un accident. Regardez le camion. Le véhicule est carrément broyé. Ah, tu es là toujours, tu dis aux gens, oh, laisse-moi, j'ai des belles voitures. J'ai de l'argent. J'ai des belles femmes. C'est bien. Mais regardez, le véhicule est méconnaissable. N'est-ce pas pour ça que tu as signé ton pacte avec le diable? N'est-ce pas pour ça que tu allais même dormir dans les cercueils, même tu as sacrifié un membre de ta famille, et finalement tu es pris au piège. Le diable est en train de sacrifier des jeunes gens. Regardez. Dieu va permettre un témoignage. Et cet homme est en train de parler, il dit, oh, c'est dommage, comme c'est triste. Nous prions pour qu'il y ait un survivant. Oh, nous prions que Dieu permette qu'il y ait au moins un témoignage. Un témoignage. Et tout le monde, les gens ont arrêté les véhicules, et ils sont même en train de regarder la scène. Vous voyez, regardez même ici. Vous allez voir. Dieu va permettre un témoignage. Regardez, cet homme est même monté sur son véhicule. Tellement il est étonné par ce qu'il est en train de voir. Il est même monté sur son véhicule en train de regarder ça. Personne n'y croit. Ça crée un embouteillage terrible à ce niveau-là. Regardez. Waouh! Comme vous le voyez, c'est pas de la blague, c'est pas de la frime. Si on se bon ici, il n'y a pas de fumée sans feu. Et tout ce que vous voyez, ce sont des choses bien réelles. Oh, il y a juste quelques heures, ils étaient à ce niveau-là en train de s'amuser. Sans savoir ce qui les attendait. Regardez bien. Regardez très bien. Voilà. Mes frères et sœurs, la vie est courte. La vie est courte. Donnez vos yeux à Jésus-Christ. C'est pas des ennuis. On nous donne le vrai conseil. Regardez comment le véhicule était bien. Vous savez qu'aujourd'hui, il y a les réseaux sociaux. Tous ces gens ont posté ça sur les réseaux sociaux avant l'accident. Waouh! Aujourd'hui, les réseaux sociaux sont devenus des témoins. Les réseaux sociaux sont des témoins, quoi. Ce sont les témoins. Là-bas même, il y a maintenant des preuves, quoi. C'est-à-dire, s'il y a un accident qui doit se produire, ou quelque chose de mal qui va arriver, déjà sur les réseaux sociaux, vous pouvez voir ce qui s'est passé avant et après. Si c'est bizarre, regardez comment il a exposé sa culotte avec la boisson. Voilà. Mes frères et sœurs, soyez vigilants. Et regardez comment ils sont jeunes. Sont-ils vieux, mes frères et sœurs? Est-ce qu'ils sont vieux? Regardez bien. Ils sont jeunes. Regardez ça. Et ils sont frères, ils sont même frères. Mais si vous les mettez dans vos plantations, ils vont même bien travailler. Peut-être même qu'ils vont même bien plus travailler même que vous. Regardez même ça. Mes frères et sœurs, c'est bien réel. La jeunesse, c'est pour servir Dieu et pas pour faire n'importe quoi. Le diable est en train de blaguer les gens. Regardez. Regardez même. Et vous, quand vous voyez tout ça à la télévision, vous êtes content. Déjà, nous allons vous montrer un peu là où ça commence avec de telles choses. Nous allons vous montrer. Vous allez voir. Vous savez,
tout ce que ces jeunes-là sont en train de faire, ils ne le font pas parce que ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. Ils le font juste parce qu'ils ont déjà vu ça quelque part, donc ils sont en train de le reproduire, juste reproduire ce qu'ils ont déjà vu quelque part. Mais soyez prêts, soyez prêts. Vous allez voir. Vous savez, à la télévision, parfois on nous montre des choses bizarres que beaucoup de personnes ne peuvent pas comprendre facilement. Vous allez voir des choses qui vont même vous étonner. Maintenant, regardez ça. Regardez bien ça. Que voyez-vous? On voit un homme. Lui, il fait de la magie, quoi, mais du fétichisme pour de l'argent. Regardez-le, regardez. Et il a une valise. Et cette valise-là est remplie d'argent. Mais cet argent-là vient des génies ou encore des démons. Et ça fait sa joie. Vous voyez? Mais qui vous a dit même que quand on a beaucoup d'argent là même, c'est une bonne affaire même? Qui vous a dit ça? Ça peut être une bonne affaire pour vous. Il faut avoir le juste nécessaire, ce qu'il te faut. Et il faut amasser petit à petit. Au fur et à mesure que tu amasses petit à petit, tu apprends de grandes leçons de la vie qui vont t'aider à gérer bien ton argent, même à réaliser. Oui, c'est le bon chemin. C'est un chemin dur. C'est pas rapide comme pour le diable. Quand tu choisis le chemin rapide chez le diable, tu meurs rapidement aussi, comme le nom l'indique. C'est terrible. C'est terrible. Les gens aiment les belles femmes, les jolies femmes. Ils aiment les jolies femmes. Qui n'aime pas les jolies femmes ici? Qui n'aime pas les jolies femmes? Ils aiment les jolies femmes. Ils se disent, oh, nous, on va voir les jolies femmes. Pour voir les jolies femmes, il faut avoir de l'argent. Il faut avoir tout ça. Et regardez. Les gens se disent, l'argent, c'est la clé du monde. C'est Jésus-Christ qui est la clé du monde. Il n'y a pas d'autre clé. L'argent, ce n'est que là pour nous servir. Tu as de l'argent, tu t'achètes des trucs. Après, quelques temps plus tard, son père passe, tu jettes. Quel est ton problème? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Qu'est-ce qui ne va pas avec toi? Regardez bien. Les gens voient ça à la télévision. Et c'est un parti de plaisir pour eux. Les gens ont des styles. Ils exposent beaucoup d'argent comme ça. Ah! Même ceux qui ont travaillé dur pour avoir leur argent, ils n'exposent pas leur argent comme ça. Et ça fait plaisir aux gens. C'est réel. Tout ce genre que nous vous montrons ici, ils existent. Vous ne nous direz pas le contraire. Un conseil, mes frères et sœurs, soyez vraiment dans la légalité. Ne faites pas tout ce que vous avez envie de faire juste pour impressionner les gens. Ne cherchez pas à impressionner les gens. Un bon conseil pour toi, mon frère. Un bon conseil pour toi, ma sœur. Ne sois pas envieuse, ma sœur. Contente-toi de ce que tu as. Prie. Dis, Seigneur le Christ, aide-moi à réussir. Dieu aura pitié. Il va t'aider à trouver le chemin pour que tu réussisses dans la légalité. Parce que le chemin de la réussite, c'est juste un seul chemin pour toi. Tu dois trouver ce chemin-là. Ce n'est pas de la blague. Ce n'est pas de la blague. C'est pas de la blague. Toi, peut-être tu es fait pour réussir dans un restaurant et non dans un bureau. Si tu vas te jeter dans un bureau là-bas, tu vas faire tout ce que tu as envie de faire, ça ne va jamais marcher. Il faut que Dieu te t'aide à trouver ce que tu dois faire. Il faut que le Saint-Esprit te dise où tu vas investir et puis ça va marcher. Et quand Dieu va te révéler là où tu dois investir pour que ça marche et que tu vas maintenant investir dans le restaurant, même si c'est un petit restaurant, tu vas commencer à évoluer sans que tu te rends compte parce que c'est le bon endroit, c'est une bonne terre, c'est là où toi tu vas réussir. N'envie pas les gens. Si tu es une femme, il faut travailler dur. Attends ton temps. Même les femmes d'aujourd'hui n'ont pas besoin que vous soyez forcément très riches pour qu'elles se collent à vous. Elles n'ont pas besoin de votre argent. Si une femme vient vers toi à cause de ton argent, ce n'est pas la bonne. Une femme qui est prête même à dépenser tout son argent pour toi, c'est que cette femme, il faut la respecter. Regardez même ça. Regardez. Que Dieu bénisse les jeunes et que nous donne longue vie. Mais que nous-mêmes, nous apprenons à fuir et à fuir et à fuir de ce monsieur, fuir toutes les choses de ce monde que nous sommes en train de vous montrer. C'est à vous de décider. C'est à vous de décider. Le diable est en train de nous regarder et il dit à qui le prochain. Le diable vous regarde et il dit à qui le prochain. À qui le prochain.
C'est bien réel tout ce que nous sommes en train de vous montrer. Faites attention à votre vie. Que Dieu nous protège. Bien. Si nous vous aimons, nous vous dirons la vérité. Peut-être on t'est fâché parce qu'on veut te dire la vérité. Mon frère. Si nous on ne te dit pas la vérité, qui va te dire la vérité? Si nous on ne t'aide pas, qui va t'aider? Que Dieu ait pitié de nous. Que Dieu nous aide à marcher sur le bon chemin. Fais le bon choix aujourd'hui. Et sors de toutes ces choses. Abonne-toi et partage cette vidéo. C'est parti. Regardez-moi ça. Faites attention à votre vie. Bien, c'est fait maintenant. Vous avez vu comme c'est triste. Abonnez-vous et partagez cette vidéo. Waouh!